Sweet sweat. Saint-Valentin. Amour. La fête des amoureux. Qu'est-ce de plus beau? Amour. En ce jour, j'aimerais parler de l'amour. Amour. De l'élégance. De la beauté. Du couple. Et j'ai décidé de vous parler, mes enfants, de la belle au bois dormant. Un beau prince réveille une belle d'un baiser. C'est beau. Ils vécurent ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Heureux. C'est très beau. Les origines de cette histoire remontent à très très loin. Très très loin. Mais le premier qui a mis cette histoire par écrit, c'est un auteur italien qui s'appelle Basile, en 1634. Du coup, pour ce jour des amoureux, j'aimerais bien vous raconter l'histoire de telle qui a été écrite par Basile en 1634. Alors, asseyez-vous les enfants, c'est parti. Il était une fois une belle au bois dormant qui s'appelle Talia. Oui, elle s'appelle Talia. Elle se fait piquer et s'endort. Rien ne change pour l'instant. Elle dort 100 ans, très profondément. Et ensuite, vous avez un roi qui vient comme ça, sur un cheval blanc. Oui, parce que oui, j'oubliais de vous dire que c'est un roi. C'est pas un prince charmant, c'est un roi. Peut-être charmant, je sais pas, mais en tout cas, c'est un roi. Et un roi qui a une reine. Ah oui, oui, oui. Et oui, il est marié en fait. Oui, oui, il a une reine. Donc du coup, voilà, il est là sur son cheval blanc. Et là, il voit la belle. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Waouh. Qu'est-ce qu'elle est belle. Il essaie de la réveiller. Bah, rien n'y fait, hein. Elle se réveille pas. Bah, non. Mais elle était belle, quoi. Enfin, oui. Mais elle se réveille pas, mais elle était belle. Qu'est-ce qu'on fait? Il est pris d'amour, lui. Il est pris de désir. Qu'est-ce qu'il peut faire? Bah oui, parce que lui, il est loin de sa reine, de son royaume. Il est là sur son cheval. Il est tout seul. Il est en manque. Oui, oui. Donc, il a cette belle, elle est là, mais il se réveille pas. Qu'est-ce qu'on fait? Salope. Écoutons l'extrait plutôt. Au premier coup d'œil, le roi crut qu'il dormait. Il l'appela, mais il ne put la réveiller quoi qu'elle fît. Comme il s'était épris de sa beauté, il la porta à bras le corps sur un lit, la laissa coucher. Et ça retourna à son palais, où il ne tarda pas à oublier toute cette aventure. J'ai pas très compris ce qui s'est passé. Il la porta à bras le corps sur un lit. La laissa coucher. Et ça retourna à son palais, où il ne tarda pas à oublier toute cette aventure. On a bien compris là, qu'est-ce qui s'est passé là? La suite? 9 mois après, la jeune fille accoucha de 2 jumeaux, un garçon et une fille. Ah oui, d'accord en fait, non mais j'ai bien compris en fait, oui d'accord. Parce que ça se comprend aussi. Oui, il était seul, un manque et tout. Enfin, il n'a pas vu la reine depuis longtemps. Il a cette belle qui ne se réveille pas. Chieuse, quoi. Et oui, donc du coup, il se dit, bon, tant pis, j'y vais, quoi. Enfin, j'y vais quand même. Enfin, ouais. Bah, oui. Non, mais ça se comprend, ouais. Voilà, quoi, ouais. Donc, une fois terminé, lui il repart sur son cheval, retrouver sa reine, oui. La suite, prochainement.
tout vite, Svette.